السلام عليكم. التمرين الرابع حول المتراجحات المثلثية. résoudre dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2 l'inéquation tangente carré x moins 1 inférieure strictement à 0. Pourquoi nous avons ouvert ici l'intervalle en moins pi sur 2 et pi sur 2? Tout simplement parce que la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2 et en moins pi sur 2. Donc, notre inéquation tangente carré x moins 1 inférieure strictement à 0 est équivalente à, si je pose tangente x égale à grand T, donc j'aurai T au carré moins 1 inférieur strictement à 0. Et n'oubliez pas que le x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 ouvert. Donc, je vais maintenant, dans un petit tableau, je vais étudier le signe de t carré moins 1. Alors, t au carré moins 1, il s'annule en 0, en moins 1 et 1. 0 ici, 0 ici. Donc entre les racines, c'est une équation, c'est une expression du second degré. Donc entre les racines, signe contraire de A, c'est moins. À l'extérieur, c'est plus. Donc on veut entre t au carré moins 1 négatif, ce qui signifie que notre inéquation devient équivalente à t compris strictement entre moins 1 et 1. Avec bien sûr t, grand T, c'est tangente x, et avec x appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Ce qui signifie que, je reviens maintenant à t, ce qui signifie que tangente x est compris strictement entre moins 1 et 1 avec x, bien sûr, dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. L'ijdid بالنسبة لهذا التمرين هذا, ce qui est nouveau pour cet exercice, c'est l'axe des tangentes. Alors, on sait l'axe des cosinus, c'est celui-là. L'axe des sinus, c'est celui-là. Tandis que l'axe des tangentes, c'est l'axe que je vais tracer. C'est-à-dire, il passe tangent au cercle, au point ici, au point I. En ce point. Donc ça, c'est l'axe. Il est dirigé vers le haut. C'est-à-dire, les tangentes positives sont dirigées vers le haut. Donc ça, c'est l'axe des tangentes. Donc, nous avons ici T, ici, entre moins. La tangente est comprise entre moins 1 et 1. Donc le 1, il est déjà connu, c'est la tangente de pi sur 4. Donc, je vais diviser le cercle trigonométrique en pi sur 4. Alors, pi sur 4, c'est à peu près ici. Moins pi sur 4 ici. Donc, et je prends cet angle, pi sur 4, je trace à la règle. Ici, c'est pi sur 4.
Ce point correspond à l'angle pi sur 4, ici à l'angle moins pi sur 4. L'axe des tangentes. Je prolonge jusqu'à ce que j'intercepte l'axe des tangentes. Alors ici c'est 1, c'est le nombre 1, tangente de pi sur 4. La tangente de pi sur 4, c'est 1. Et la tangente de moins pi sur 4, c'est moins 1. Donc, les nombres qui sont compris entre moins 1 et 1, strictement, c'est cet intervalle que je vais colorier en vert. Celui-là. Donc l'arc qui correspond à ces nombres ici, à ces tangentes, c'est l'arc que je vais tracer en une autre couleur, par exemple en jaune. Et celui-là, les angles. Bien sûr, ouvert ici. C'est ouvert ici et c'est ouvert ici. Donc le sens positif celui-là. Donc le 0 c'est ici. Donc notre solution, donc x appartient, ce qui équivaut à dire que x appartient à moins pi sur 2, l'intervalle sur lequel on résout, pi sur 2, ouvert, et x appartient à 0, pi sur 4, ouvert, x appartient à 0, fermé, pi sur 4, ouvert, alors, il faut ordonner les intervalles. Donc, à moins pi sur 4, 0. À moins pi sur 4, 0. Moins pi sur 4, ouvert, 0. Moins pi sur 4, ouvert, 0. Fermé. Union. 0 fermé, pi sur 4 ouvert. Donc, l'intersection de cette réunion avec celui-là, c'est cet ensemble. Puisque cet ensemble que j'ai entouré en rouge est inclus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc leur intersection, c'est la réunion des deux intervalles que j'ai entourés en rouge. Donc l'ensemble des solutions de notre inéquation dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, pi sur 2 ouvert, c'est exactement moins pi sur 4, 0, moins pi sur 4, 0 fermé, union, 0 fermé, pi sur 4, ouvert. Et voilà pour notre solution. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله مع تمرين آخر جديد. ولا تبخلوا بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم دائما الجديد والمفيد. إذن إلى اللقاء.